Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre et pour ceux qui veulent s'abonner, vous avez le petit bouton s'abonner juste sur la gauche. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce bleu qui est très important pour eh bien, ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, eh bien, au menu, il y aura des pronostics foot et ce sera de la Ligue 1. Alors, un pronostic Ligue 1 pour aujourd'hui et un autre pour samedi. Et attention, je vous prépare pour demain une vidéo un petit peu spéciale pour le Classico PSG-Marseille. Et je vais donner au moins deux pronostics pour eh bien, ce Classico. Dites-moi déjà, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous allez parier ce week-end? Gros week-end en perspective. Non seulement pour les matchs, mais aussi parce que c'est le week-end de Pâques. Et je ne sais pas chez vous s'il va faire beau. En tout cas, au Pays Basque, ils ont prévu énormément de soleil. Donc moi, je vous dis, je vous garantis que je vais bien profiter de ce week-end. Avant de passer au pronostic quand même, une chose bien sûr, c'est le jeu concours. C'est totalement gratuit et vous pouvez eh bien, gagner une place au stade de la Real Sociedad à Saint-Sébastien ou à Bilbao, au stade de Saint-Mamès. Tout ça si vous remportez le jeu concours. Pour participer, c'est simple, il faut juste le petit pouce bleu, être abonné bien sûr et vous écrivez en commentaire le score exact eh bien, du match de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. Ça, on le fait depuis la 20e journée. Il faut d'ailleurs que je mette le classement à jour. Mais il n'y a personne qui a deviné pour l'instant 10 scores exacts hein, ou 8. Donc, vous avez encore la possibilité de gagner. Et bien sûr, ça se passe sur chaque journée de championnat. Et attention, la Real Sociedad joue ce soir contre le Real Betis. Donc, ça joue dès vendredi. Faites attention. Allez, c'est parti pour le vendredi 15 avril. Et là, c'est une affiche de Ligue 1. J'espère cette fois-ci que les clubs français vont porter chance. Je m'étais bien trompé sur Lyon, c'est vrai, sur la précédente vidéo. Mais j'avais donné quand même un pronostic gagnant avec le match de Barcelone. D'ailleurs, je voyais les Allemands éliminer Barcelone, je vous promets. Mais je n'ai pas, eu le courage eh bien, de donner ce pronostic de la qualification pour l'Eintracht Francfort. C'est dommage. Bref, c'est pas grave. On reste en bénéfice sur le mois d'avril et je rappelle, dernière chose, pour ceux qui veulent des pronostics vraiment tous les jours avec des conseils, je vous rappelle que vous avez le groupe privé où eh bien, vous payez 4,99€ seulement pour le mois en entier et il y a des pronostics et des conseils tous les jours. Les résultats sont vraiment bons, je peux vous le garantir. Et en commentaire, s'il peut y avoir un petit témoignage eh bien, d'un membre du groupe privé, ça serait top. Allez, c'est parti. Rennes 3e reçoit Monaco 6e ce soir à 21h au Roazhon Park, le stade où les Bretons n'ont pas perdu un seul point, c'est-à-dire pas un match nul, pas une défaite en 2022. Et pourtant, eh bien, ils ne sont que 3e entre guillemets à 3 points derrière Marseille si je ne me trompe pas. Et pourtant, je ne vois pas encore une fois la logique être respectée. Je pense que les Monégasques peuvent vraiment faire le hold-up et s'imposer sur terre bretonne. C'est vrai que Rennes va très bien, mais attention, Monaco enchaîne les victoires en ce moment et ils ont battu cette équipe bretonne au match aller. Pour moi, Monaco est capable de créer l'exploit. C'est pas une cote à 8 ni à 10, ce serait juste une cote à 3,35 plus ou moins que Monaco gagne sur la pelouse de Rennes. Et oui, je vais parier sur ce match. Concernant eh bien, la journée du samedi 16 avril, on va rester en France. Le championnat français, là c'est Lille qui est 7e, qui reçoit Lens 8e. Donc là c'est vraiment un derby du Nord, classement très serré, 48 points d'ailleurs pour Lille et 47 pour Lens. Attention parce que le LOSC voit l'Europe s'échapper petit à petit si eh bien, ils ne reprennent pas les 3 points de la victoire. Pour moi, Lille va renouer avec la victoire même si c'est vrai qu'ils ont été assez décevants. Sur les deux dernières rencontres, ils ont fait un match nul, notamment face à Bordeaux, sans marquer le moindre but. Lens, de leur côté, ça va. Après la défaite à Strasbourg, ils ont réussi à remporter eh bien, à domicile ce match très important face à Nice 3-0. Mais hélas, je ne les vois pas eh bien, faire un nouveau exploit face à Lille. Donc, victoire du côté de LOSC, c'est une cote à 2. Et là, c'est la logique qui est respectée. Donc, victoire de Lille à domicile, cote à 2.
Et la victoire de Monaco cote à 3,35. Ce sont les deux pronostics que je vous donne sur cette vidéo. Et moi, personnellement, je vais parier sur la victoire de Monaco. On verra après pour le week-end. Et n'oubliez pas le pari spécial pour dimanche avec Montpellier parce que je sens que ce week-end, ça va passer. Ils vont jouer à domicile face à Reims. Et honnêtement, je pense que ça va passer. Vous me dites, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour la vidéo du Classico PSG Marseille. Bon week-end et modération avec le chocolat noir. Bye les amis.